n'explique pas. Et c'est ça qui est formidable. Harry. T'es vivant. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je suis pas loin de trouver le docteur Connors. J'ai plus qu'à lui injecter l'antidote et je te rends ton costume direct. Ok. Dis-moi quand c'est bon. Le plomb des conduits perturbe le signal du mouchard. Où est-ce qu'il va? Pourquoi est-ce qu'il y a une caméra de sécurité ici? On va réparer les dégâts du lézard. Que le lézard pour mettre les égouts en bordel comme ça. Sa tanière est sur une ligne de métro désaffectée. C'est du gaz que je sens. Je crois pas que c'était un accident. Connors ne veut pas qu'on suive. Casser une canalisation. Sûrement pour inonder les tunnels derrière lui. Où est-ce que vous allez, Doc? Sérieusement? Encore une caméra. C'est pas vrai. Oscorp a installé un labo dans les égouts? Norman avait dû préparer cet endroit pour Connors à l'époque. Mais sans le répertorier. Sur quoi Norman a bien pu demander à Connors de travailler dans ce labo? Je me demande si c'est l'échantillon dont Connors s'est servi pour sa formule d'origine. Tous ces vieux antidotes. Tous périmés. Je peux même pas savoir ce qu'il y a dans ces cubes. Pourquoi il a noté des coordonnées célestes? Ce symbole. Je savais pas que Connors avait étudié les langues anciennes. Des nouilles premier prix et de la vieille pizza. Ce genre de repas, je connais que trop bien. J'ai déjà vu ça quelque part. Mais où? Mutualisme?
Connors a toujours pensé que les réponses à ces problèmes venaient des organismes extérieurs. Ils ont aussi une salle blanche ? Attends. C'est notre accélérateur de particules de la Fondation. Connors s'en serait servi pour analyser du minerai ? Ça. Super, il y a plus de jeu. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? C'est pas celui-là. Ah. Non plus. Salut, Doc! Prêt pour votre check-up annuel? Ça va le faire. C'est pas la première fois, Connor! Si vous êtes là, j'aurais vraiment besoin de votre aide! Kurt Connors, un brillant scientifique. Vous avez fait des erreurs, mais c'est pas obligé de punir comme ça. C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? Vous pouvez encore la retrouver. Il est à terre, c'est à moi de jouer. Pensez à votre femme, à votre fils! Ils ont besoin de vous! Vous voulez quand même pas priver votre fils de son père? Vous devez vous battre! Pour lui! C'est le vrai problème. Des erreurs, mais c'est pas obligé de finir comme ça. C'est ça le souvenir que vous voulez laisser à votre famille? Vous pouvez encore la retrouver. Pensez à votre femme, à votre fils. Ils ont besoin de vous. Vous
voulez quand même pas priver votre fils de son père ? Vous devez vous battre ! Pour lui ! Sa queue est trop longue ! Je ferais mieux de l'éviter ! Que si je le surveille pas! Alors là, non !
pas d'humeur pour le sketch du lézard déchaîné dans les rues de New York. Je refuse de le croire. Stop! Vous faites du mal aux gens! Génial! Les flics vont s'en mêler. Attention, reculez! Moins vite! Officier, vous n'aidez pas là! Vous vous fichez de moi, connards! J'ai pas envie de faire ça! Restez tranquille! Les chasseurs! Sérieux? Vous l'aurez voulu! Saleté de chasseurs! Je vous ai dit de pas vous emmêler! Chasse au lézard commence à me gonfler! J'ai pas le temps pour ces trucs! Connards! C'est parti! J'arrive pas à percer la porte! L'aiguille est coincée! Je refuse de perdre cet antidote! Qu'est-ce que tu vas faire tout en haut? T'envoler? Fini de courir! Génération, c'est trop cool. Et trop crade. Très bien.
je dois vous faire du mal, alors tant pis. Après toutes les fois où je vous ai aidé, je pensais que vous seriez conciliant pour une fois. C'est une blague. C'est que évolue beaucoup trop vite pour moi. C'est trop faible pour reprendre le contrôle, hein. Je vais devoir vous assommer moi-même. Je comprends que votre famille vous ait quitté. Vous n'êtes pas assez fort. La semaine. C'est même pas pour moi que je fais ça. Harry a besoin de vous. Vous vous souvenez de lui? Il va mourir, Doc. Je veux pas le perdre. Vous êtes le seul à pouvoir l'aider. Il a besoin de la tenue. Et j'ai besoin de votre aide pour la lui donner. L'antidote dans les gencives si je me rapproche assez.
Mitsikamor. Où est-ce que vous avez eu ça? Harry Osborn. Il a dit que vous l'aviez fabriqué. Suivez-moi. C'est bien ce que je pensais. C'est par ici. Wow, wow, du calme. Je vais regarder de plus près. Ça va, ça va. C'est facile. Faites-le. C'est quoi ce truc? C'est un fragment de météorite tombé à l'extérieur de la ville il y a des années. C'est là qu'on a trouvé ça. Donc je porte un alien? On appelle ça un symbiote. Il s'unit au niveau sous-cellulaire avec son hôte. Dans notre cas, Harry Osborn. Il vous l'a donné? Exactement. J'étais blessé. Et il vous a choisi. Ça signifie qu'il est encore plus dangereux que ce que je pensais. Nous devons appeler Oscorp. Nous devons le détruire. Vous voulez nous détruire? Vous avez dit qu'il m'avait choisi, Doc. Spider-Man est meilleur grâce à lui. C'est bon, j'ai la cible en vue. Je vais le suivre. MJ, content de t'avoir. Ça va bien? Ça va. Je fais un peu de rangement à la maison. J'ai pris des nouvelles d'Harry. Mais ça va, toi? Il parle de ta poursuite avec le lézard aux infos. Oh, ça va. Connor s'est guéri, et le costume tient ses promesses. C'est ce qu'on appelle un symbiote, apparemment. Oh, et c'est un extraterrestre. C'est dingue, non? Attends, quoi? T'as pas l'air très inquiet. Si, un peu, mais... Sans lui, j'aurais jamais pu arrêter Connors. Peter, à vous deux, vous avez ravagé la moitié de la ville. Sans blague, t'as vu ce que vous avez fait au musée? Je suis même surprise que personne n'ait été tué. Pas moi? Fallait bien que je le soigne d'une manière ou d'une autre. C'est vrai. J'allais pas le laisser mettre la ville à sac, si? C'est pas de ça que...
Je vais rester ici pour travailler. J'ai enfin trouvé l'inspiration pour un article qui peut emballer Jonah. Peut-être que je te le ferai lire si... si tu rentres tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui prend ? Oh, ça doit être le stress de la page blanche. Elle a peut-être besoin d'être seule. Pendant ce temps-là, voyons voir qui a besoin de notre aide.